m'appelle Philippe Chanty, je suis un artiste pluridisciplinaire et très heureux d'être aujourd'hui à Carcassonne pour finaliser l'installation de cette exposition au Musée des Beaux-Arts et impatient que vous découvrez cette expo. Dans cette expo, on va pouvoir découvrir plusieurs techniques, c'est-à-dire que moi j'ai démarré avec la photographie, mais je me suis un peu étendu et j'en suis devenu pluridisciplinaire. Donc on va pouvoir découvrir des sculptures, des storyboards aussi dans l'imaginarium et comprendre aussi les backstage et comment arriver au résultat final qui est exposé aujourd'hui au musée. L'art a un vrai sens aujourd'hui de dénoncer. J'ai envie aussi de bouleverser un petit peu les consciences, ce qui est important aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit avec l'actualité dans ce moment où on ne sait plus vraiment où on va, on ne sait plus vraiment si on est dans le futur ou si on est en train d'aller dans le futur. Et c'est un petit peu cette histoire aujourd'hui qu'on va découvrir au musée. Donc d'une part, beaucoup de messages de dénonciation sur pas mal de fléaux de la société, mais toujours avec un travail d'esthétique pour que ce soit accepté, que ce soit agréable, que tout le monde puisse profiter et découvrir cette œuvre, qu'elle reste pas choquante. C'est très important que ça parle à tout le monde. Et ensuite, il y a aussi donc The Future is Now, qui est un projet qui a été fait clairement pour la Biennale de Venise, pour représenter la Principauté d'Andorre. Et c'est vrai que c'est en plein dans l'actualité et je pense que ça va parler à beaucoup de monde aujourd'hui. Le musée de Carcassonne ont de suite eu un coup de cœur pour cette exposition qui a fait partie donc de la Biennale de Venise et ensuite qui les a emmenés à découvrir l'intégralité de mon travail. Et ça s'est fait du coup au fur et à mesure comme ça et cette expo s'est construite vraiment avec beaucoup de cœur, d'émotion et énormément d'énergie. Donc vous le verrez par vous-même, il y a plein de choses à découvrir intéressantes.